Hey, what's up? Nouveau décor pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, je suis arrivée à Bordeaux hier soir. C'est ma première fois dans cette ville. Alors, je suis là que pour le week-end. Il y a le Bordeaux Rome Festival. Je vais en profiter pour aller y faire un tour. D'ailleurs, je suis là pour ça à la base. Mais j'ai une journée off aujourd'hui. Il fait super beau. Donc, je me suis dit que ce serait plutôt sympa de vous emmener avec moi à travers cette ville que je vais découvrir pour la première fois, comme je le disais. Voilà. Donc, je vous emmène à Bordeaux. De retour. Alors j'espère que vous m'entendez malgré le bruit qui est juste derrière, mais j'avais envie de profiter des quais pour vous filmer une petite partie de vidéo. Là je suis assise en face de l'eau et c'est juste magnifique. En plus il fait très très beau comme vous pouvez le voir. La journée est simplement amazing comme dirait l'autre. Alors je suis toute seule, Doudou il bosse, mais j'ai quand même décidé d'en profiter. Il était hors de question que je reste à l'hôtel. Et je ne regrette absolument pas parce que cette ville est vraiment très très belle. On est l'hôtel qu'on a est dans le centre même de Bordeaux, ce qui fait qu'à pied je suis à 5 minutes de tout quoi. On est vraiment dans le centre, on est au niveau de la rue piétonne. Donc c'est super cool, je peux me déplacer très très facilement. Et moi qui adore les pierres, qui adore l'architecture, je suis comblée. Cette ville est vraiment très très belle, je me répète. Mais c'est la première fois que je viens et on m'en avait parlé. Quand bien, d'ailleurs c'est l'une des rares villes où on ne m'en a dit que du bien. Et je confirme pour l'instant en tout cas, les premiers ressentis sont vraiment très très positifs. Même dans les magasins, les gens ont le sourire quand vous arrivez. Ils vous accueillent avec un très grand bonjour. Ça change de Paris.
Mais non, c'est super cool et je suis contente parce qu'il fait beau, il fait très très beau. Donc je vais continuer ma petite visite et je vous emmène avec moi. Là, je vais manger, je viens de trouver un resto végétarien. Je vais le tester et je vais voir si c'est bon. Ce soir, on est de sortie avec des amis à Doudou. Alors je sais pas si j'aurai le temps de vous montrer ça ce soir, si je vais y penser surtout, hein, parce que je suis quand même là pour en profiter et pas que bosser. Donc on verra. Mais en tout cas, la journée pour l'instant continue et avec un super beau soleil. Je suis de retour, posée encore une fois. Je marche trop, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas autant marché. J'ai fini de déjeuner dans un restaurant qui s'appelle toujours, hein, Casa Gaia. Honnêtement, une pure merveille. J'ai absolument bien mangé. L'accueil était topissime. La jeune femme qui s'est occupée de moi était vraiment adorable. Et la cuisine, mais vraiment, je crois que c'est l'un des meilleurs plats végétariens que j'ai mangé de ma vie. Alors j'ai pris en entrée une crème de chou calé avec des cèpres poêlés. C'était une tuerie. Et le plat, j'ai pris une purée de patates douces avec des légumes grillés et des petits morceaux de fromage. C'était gourmand, goûtu, c'était bon. Alors, j'ai pas fini mon plat parce que c'était très, très, très copieux. Mais c'était tellement bon. J'ai accompagné ça d'un petit verre de vin pétillant. C'était juste ce qu'il fallait pour passer un petit moment en tête à tête avec moi-même. Mais vraiment topissime. C'était vraiment très très bon. Ensuite, je me suis promenée et pas très loin. Enfin, pas très loin. J'ai quand même marché un petit peu, je pense 20 minutes même. J'ai été au musée du vin et de la négociation et c'était super intéressant. J'ai découvert comment s'était formé tout ce truc autour de la négociation du vin, l'étiquetage, mise en bouteille, le vin en lui-même. J'ai eu une petite masterclass, toute petite, pour ce qui était du vin bordelais, que je ne connaissais pas plus que ça. Ben, le vin de Bordeaux, forcément, on connaît de nom, mais on ne connaît pas forcément tout ce qu'il y a autour. Et là, le jeune homme m'a gentiment donné un petit cours. Voilà, et c'était vraiment très très bien. Là, je me promène, je suis arrivée dans un parc, je crois que c'est le parc de Bordeaux, mais je n'en suis pas sûre. Il est juste sublime.